La barrière devrait avoir disparu. Retournons là-bas. Vous avez réussi à détruire les trois gardiens? C'est très impressionnant. Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Gardez l'œil ouvert pour Durnevir. Maintenant que la barrière de la prison est brisée, il va certainement venir voir ce qui se passe. Les anciens est juste un peu plus loin. Suivez-moi de très près. Durnevir. Nous conduire. Pardonnez mon étonnement. Mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de ce dragon. Des volumes traitant de Durnevir affirment qu'il ne peut être tué par des moyens habituels. Apparemment, ce n'est pas exact. À moins que... l'âme d'un dragon est aussi résistante que sa peau d'écaille. Il est possible que votre coup mortel n'ait fait que chasser la forme physique de Durnevir pendant qu'il se reconstitue. Quelques minutes, quelques heures, quelques années... je n'en ai aucune idée. Je suggère que nous n'attendions pas pour le découvrir. Maintenant, récupérons le parchemin des anciens, et vous pourrez... J'ai toujours du mal à croire que ma mère est toujours en vie. Enfin, façon de parler. Maintenant que vous avez le parchemin des anciens, vous devriez vous... Heureusement que vous êtes là. Je ne m'en serais jamais sortie toute seule. Maintenant que vous avez le parchemin des anciens, vous devriez vous mettre en route. Je n'ai pas le choix. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une fille de Port-du-Froid. Si je repars en Tamriel, Archon aura plus de chances de réussir à réaliser la tyrannie du soleil. Après tout ce que j'ai fait endurer à Serana, je comprendrai qu'elle ne veuille plus jamais me revoir. Je laisse cette décision entre vous. N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Archon. Peu importe ce qu'il promet, il vous trompera pour obtenir ce qu'il veut. Et promettez-moi que vous protégerez ma fille.
C'est la seule chose à laquelle je tienne encore. Je suis contente que nous ayons trouvé le parchemin, mais... j'aurais aimé qu'elle vienne avec nous. Aviez-vous quelque chose à me demander avant de partir ? Rengaine tes armes. Je souhaite m'entretenir avec toi, Quanaharin. Maudit, pas mort. Contraint à exister sous cette forme pour l'éternité. Coincé entre Laas et Dinok. Entre la vie et la mort. Je crois au respect entre guerriers aguerris, et pour moi, tes oreilles sont dignes de recevoir mes paroles. Mes griffes ont lacéré la chair de nombreux ennemis, mais je n'ai jamais été vaincu sur le champ de bataille. Ainsi je te nomme Quanaharin, ou vainqueur dans ta langue. Tes paroles m'honorent. Si je désire m'entretenir avec toi, Quanaharin, c'est en raison de l'issue de notre combat. J'aimerais humblement te demander une faveur. Depuis des temps immémoriaux, je parcours le cairn de l'âme. Et sert malgré moi les maîtres idéaux. Avant cela, je parcourais les cieux de Tamriel. C'est là que je souhaite retourner. Je crains que le temps passé ici ne m'ait imposé un lourd tribut. Je suis lié à cet horrible endroit. Si je m'éloignais du cairn de l'âme, je perdrais ma force jusqu'à n'être plus rien. Je te confierais mon nom et te donnerais le droit de m'invoquer depuis Tamriel. Fais-moi cet honneur, et je combattrai à tes côtés en tant que Grazemazin, ton allié, et je t'enseignerai mon Tuum. Pour toi, peut-être. Pour moi, cela signifierait beaucoup. Je n'attends pas de réponse, Quanaharin. Prononce simplement mon nom vers le ciel lorsque le moment sera venu. Venez, il est temps d'entrer. Nous en aurons terminé avec mon père.